Mon vieil ami. Bien joué. Ça me fait plaisir de te revoir. Tiens bon, j'arrive. Rocher, j'ai besoin de ton aide. Merci, Rocher. Oh, Glu-Glu. Du calme, lézard. J'arrive. Attrape ma main. Je te tiens. Accroche-toi bien. Pas de problème. Ma main collante ne te lâchera pas. Qui tu es, ni comment tu as fait ça. Mais merci. Inutile de me remercier, puisque je vous devais une faveur. Comment ça? Quelle faveur? Mais qui es-tu au juste? Pas de temps à perdre. Il faut que je retourne à la pagode. Oui, Ninja Kai y est toujours. On va t'aider. Non, ce combat est le mien. Retournez dans votre monde. Vous n'avez rien à faire ici. Wow! Attention, les ninjas pirates! Le souverain réseau arrive! Oh! Descends de mon bateau tout de suite! Yo-ho-ho! Il sait où? Viens avec moi! À toi de jouer, Pijarobo! Les hiboux rayons. Vas-y. Mode défense intégrale enclenchée. Boule de poil au canon. Yo-Yo, c'est à toi de jouer. Tu risques d'être mouillé, mais je sais que tu vas y arriver. Hé hey! Où est-ce que vous allez? Revenez! Débarrassons-nous d'eux, chers compagnons. Ah, 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 il faut se méfier des tourbillons. Oh, engueulez. Oh, Glu-Glu. Cette fois, je dois y aller. Yo-Yo, acrobasso! Oh,
que tu serais mouillé. Je préfère être mouillé que de ne plus vous avoir à mes côtés, les copains. Stop! C'était quoi ce bruit? Ouais! Oh! Oh! Ninja, ne me dis pas que c'était toi. Quoi? Non, c'est pas possible que tu sois le monstre. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette créature? Tu es toujours aussi sûr qu'il n'y avait pas de monstre? Ce dont moi je suis sûr, c'est qu'on doit se méfier. Si c'est vraiment T-Ninja, ça veut dire qu'il a découvert la source des étoiles collantes. Mais quelle excellente nouvelle! Hé, hey, toi là-haut, ninjéant, je t'ordonne d'attaquer immédiatement les pyjamasques. Attention, droit devant. Il a fait ce que je lui ai dit. J'ai un ninjéant qui m'obéit au doigt et à l'œil. C'est le plus grand triomphe de ma vie. Elles sont pas pareilles que d'habitude, ces étoiles collantes. Non, on dirait que ce monstre les contrôle. Le moment que j'attendais, j'ai enfin vaincu les pyjamasques. C'est moi qui vais régner sur la ville. Avec un petit coup de main de mon ninjéant. Venez, Ninja Zouave, la ville est à nous. On va bien s'amuser. C'est l'heure des trouvrais, héros. Mais si tu n'étais pas venu, ça se serait très mal terminé. Alors merci. Et grâce à ton nouveau système d'alarme, je crois que Roméo ne reviendra pas de sitôt. Pyjamasque, on crie hurra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Je sais ce que je fais. Nous revoilà en tête à tête. Tatouille la fripouille. Comment tu trouves Robot? Tatouille la fripouille. Très drôle, maître. Je suis assez fière de moi. Moi, une fripouille? Une fripouille? Une fripouille capable de grandes choses. Tous les deux, on pourrait arrêter les pyjaminus et devenir les maîtres du monde. Alors, qu'est-ce que tu en dis, cher partenaire? Tu veux qu'on fasse un petit essai? Jamais! Je ne suis pas d'accord parce que moi, je suis un vrai héros, comme les pyjamasques! Arrête! J'ai un peu le vertige! T'aurais pas dû essayer de me piéger! Je t'aurai à l'œil maintenant! Robot, qu'est-ce que je ferais sans toi? Bonne question, maître.
tu m'abandonnes, robot? Pourquoi est-ce que tout le monde se retourne toujours contre moi? Allez, reviens, robot! S'il te plaît! C'est toi mon assistant préféré, promis juré! D'accord, mais c'est bien parce que vous le demandez gentiment, pour une fois. Non, arrête! Tu me chatouilles! Et ça me donne l'air beaucoup moins méchant! Je reviendrai, les Pyjaminus! Et je n'en ai pas fini avec toi non plus, je t'ai tout raté! Comment tu te sens? Bien! J'ai vraiment cru que Roméo voulait faire équipe avec moi et être gentil. Mais quand j'ai compris qu'il faisait semblant, je me suis énervée et j'ai voulu me venger. Je suis désolée. Mais t'as fini par te rattraper. L'important, c'est de reconnaître ses erreurs. Merci de m'avoir aidé, mes super copains. Je ferais mieux de commencer à tout ranger. Attends, on va t'aider, Tatorotom. Les héros se serrent toujours les coudes. Pyjamasque, on crie Hourra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Je viens de remporter une bataille contre les farfelous. Et voilà que... Hein? Arrête ce rocher, Glu-Glu! Il est bien trop gros et trop rapide! Courez! Le rocher nous fonce dessus! Adieu les farfelous! Bon débarras! Et une fois que je me serai débarrassé de vous, les Pyjaminus, cette montagne pourra enfin redevenir celle des ninjas! Et tu comptes faire quoi du rocher géant qui nous poursuit? C'est la faute des farfelous! Déclencher l'éboulement avec leur hurlement stupide. C'est aussi ta faute. Ce sont vos disputes qui ont fait bouger toute la montagne. Vous l'avez peut-être mise en colère. C'est pour ça que le rocher s'est décroché. Mise en colère? Vite, les ninjas, courez! Maxime! Attends, les ninjas vont dire non? En général, je ne les appelle pas par leur... Il va se faire écraser! C'est l'heure d'être de vrais héros, tous ensemble. Ninja quoi magique. Bibou Tornado. Oh, Yo-Yo Rapido, à la rescousse. Blue Blue Mega Muscle. On a réussi. Top là, Ninjaka. Merci les pyjamasques. Désolée pour toutes ces disputes, Montagne. Hein? Oh. Non, c'est bon. Ils sont retournés en ville. Ils n'ont vraiment pas compris que la montagne était à tout le monde. Non, ça c'est sûr. Bien joué, les pyjamasques. Tu as fait du bon travail aussi, Ninjaka. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Les pyjamasques et Ninjaka côte à côte. Elle a vraiment quelque chose de magique, cette montagne. Tu l'as dit. Finalement, il y a assez de place pour tout le monde ici. Ha-ha! Vous voilà! Hein? Mais... Oh mince! Eh oui, t'as encore besoin d'entraînement! Oh, oups. Oh tiens, mais c'est mon rayon! Robot, ne reste pas planté là! Rattrape-le! Oui, maître! Wow! Oups! J'allais! Oh non! Ça suffit! Je l'ai! Bibou, à toi! Je l'ai! Bien rattrapé! Joli coup, Yo-Yo! Toi aussi, Glu-Glu! Il est temps de me faire réapparaître! Attention, maître! Il ne reste plus qu'une seule chose à rendre invisible! Glu-Glu, va prendre ce panneau. Tout de suite. Mais où est-il passé? Où est passé mon rayon? Robot, secoue-toi les boulons! Aide-moi à retrouver mon rayon d'invisibilité! Mais maître, votre rayon est invisible. C'est ça ton excuse pour ne pas le chercher? Aide-moi, dépêche-toi! Oui, maître, à vos ordres, maître. Oh! Alors c'est toi qui l'as? Génial!
Nickel, maintenant je m'occupe du reste. Tu vois, si tu nages en faisant des roulades, ça t'aidera à éviter les tentacules. Et n'oublie pas, tu n'as pas autant de bras que Poulpe au robot, mais tu as une queue dont tu peux te servir. Merci les copains, c'est l'heure d'être un vrai héros. Finalement, on n'est pas capable de relever n'importe quel défi. Hein? Ouf, il était temps que ça s'arrête. Yo-yo, hein? Attention! Bien tenté, le chat de gouttière. Mais qu'est-ce que tu dis de ça?
QG et en vitesse. Rattrapez-les. Et vous trois, prenez tous les bâtiments. Prenez la ville entière. Pigeon Robot m'a appelé. Il faisait un truc avec le Pigeon Scanner. Une espèce de cristal apparemment. Un cristal? Mais d'où ça sort ça? C'est peut-être pour ça qu'on a perdu nos pouvoirs. À cause d'un truc que Pigeon Robot aurait fait. Wow, peut-être qu'il n'est pas prêt à devenir un Pigeon Masque. Pas planté là! Attrapez-les! Impossible d'entrer! Il n'y a plus de courant! La porte est bloquée! Pigeon Robot! Attends une minute! Il a essayé de me joindre, rappelle-toi! À chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'était pour nous venir en aide! Ah bon, tu crois? Ah 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 Ces appareils vont transformer les chars de carnaval en méchants Roméo chars que je contrôlerai par la pensée. Mouahahaha! Mes Roméo chars vont défiler dans la ville et faire peur à tous les habitants. Ils n'oseront plus sortir de chez eux et je deviendrai le maître du monde. Et moi, je serai le plus grand des pirates sous le nom de Ninjaka le Terrible. Qu'est-ce que tu dis? J'ai toujours rêvé d'être un ninja pirate pour semer la terreur et lancer des étoiles collantes sur tous les océans de la planète. C'est vrai que j'ai un peu peur de l'eau et que j'ai tendance à avoir le mal de mer. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'avoir un bateau avec des roues. Je vais l'appeler le ninja redoutable. Arrête ton blabla, t'es pas ici pour faire joujou. Tu ferais mieux de mettre ton plan à exécution. Ah oui, mon plan. C'est parti. Iseo Ninja Musayo. À l'abordage des chars de carnaval. Ah, vite, éloignons les chars avant que Roméo ne les contrôle. Garez-vous en cercle. Cette fois, on va faire bloc et se défendre tous ensemble. C'est vrai qu'il est cool, cet aérolune. Viens, on y va. Reviens. Victoire pour Robo. Comment on sort d'ici? Pas trop tôt. Alors, on essaye de se faire la belle? On va bientôt savoir de quel côté sont vraiment tes amis. Pigeon Masque! Pigeon Masque! J'ai trouvé Roméo! Là! Yo-yo! Glu-glu! C'est moi! Et lui, c'est Roméo! Il s'est transformé en moi! Non, Roméo, c'est lui! Qui d'autre aurait pu inventer une machine pour se déguiser en moi? Si tu es vraiment Bibou, que faisais-tu dans le labo? Ouais, par mes oreilles de chat. En tout cas, l'imitation est drôlement réussie. Voyons, les garçons, c'est moi. Oh, attention. Hein? Arrêtez. Elle nous a sauvés. La vraie Bibou, c'est elle. Roméo n'aurait jamais fait ça. Mon plan a fonctionné. Je vous offre un aller simple pour la lune. Quoi? Vous n'en reviendrez jamais. Plus aucun méchant, plus aucun héros. Je serai enfin le maître du monde. Quand je pense que Bibou était en fait Roméo depuis le début. Il nous a fait faire plein de choses méchantes. On peut encore être de vrais héros. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que Zoé Zap ferait? Qu'est-ce que Bibou ferait?
rebours. 3, 2, 1, décollage. Parfait. Pigeon robot, commence la transformation pleine puissance. On va foncer à toute allure. Vous êtes sûre de vouloir aller jusque là-haut? Si ça se trouve, Sorceline veut nous tendre un piège. Elle veut peut-être qu'on laisse la ville sans surveillance. C'est pour ça qu'il faut l'avoir à l'œil. Bah alors, t'as perdu le goût de l'aventure? Ça va être génial. Qui sait ce qu'on va découvrir? Justement, c'est bien ça qui m'inquiète. Glu-glu, tu as calculé notre trajectoire? Glu-glu? Hein? Oui, trajectoire calculée, nous sommes parés. Rien ne sera plus jamais pareil une fois que j'aurai le cristal de lune. Avec mes nouveaux pouvoirs, personne ne pourra m'arrêter. Pas même les pyjamas machins. Tiens, un vaisseau totem en balade. Quoi ?